Mardi 8 juin 2021. Nous comptons pour nous saluer toutes les amis, toutes frères et sœurs. Vous connaissez chaque l'un après rencontrer dans rendez-vous ça. C'est toujours avec la joie. Parce que l'Éternel va jamais quitter nous. Il est toujours avec nous. À nous prier le Seigneur. Papa, nous vous remercions pour bon amour, bonne manière envers nous, Dieu Tout-Puissant. Non pas gain rien nous capable comparer à vous tellement cher Seigneur ou fait bon bagaille envers nous Dieu tout puissant. Merci pour grâce envers nous mes frères vous ben nous la gain amour avec toute famille. Non la gain l'Éternel Dieu en texin finance sous service. Non la gain l'Éternel le groupe Sabéos cher Seigneur. Et dans moment ça l'Éternel papa nous voulez la gain cher Seigneur. Non mon l'Éternel papa c'est Christana. Nous l'avons également dans mon moment ça, l'Éternel Papa. Et c'est Miota. C'est Mioto. C'est Vanessa. C'est Dailove. Et nous l'avons dans mon également, cher Seigneur. Cette nouvelle sœur. Sœur Novelli, Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous m'avons répondu grâce. C'est Sheila. C'est Lovely. C'est Bermania, c'est Rose Anne, Anne Rose de préférence. Nous la gué l'Éternel Papa et notre ami, notre frère, Olnik avec toute famille, l'Éternel, sa femme, c'est Rose Nada. Nous la gué tout nan mon Dieu tout puissant, c'est Anne Witt, nan mon également, et nan mon ça, l'Éternel, c'est Vasti. Nous la gueule tout nan mon tout branche divine et l'Éternel papa et nous m'adorité avec au cher Seigneur. Nous connaissons ou même qui gen pouvoir. C'est ou gen capacité. C'est ou même qui toujours là pour orienter nous faire les bonnes choses pour nous comprendre Dieu tout puissant papa. Nous comprendre bien c'est nan pio pour nous rester. Foi c'est Dieu, foi c'est merci Dieu, foi c'est awol. Oris dans mon Dieu tout puissant. Et Jean-Emmanuel Doléan et frère Wilman Toussaint, Dieu Tout-Puissant, qui besoin présence ou en pile l'Éternel. Nous la gué dans mon, nous la gué frère Toussaint. Également l'Éternel, papa, l'autre frère Toussaint, nous la gué dans mon frère lui, des frères l'os, frère légère. Et nous la gué, c'est Jeannette, et c'est et Julia, et c'est et Clélie. La famille Charles, nan mon Dieu tout puissant papa, ou konnen nan ki situation tombe l'Éternel. Toutes les branches Joseph, toutes les branches vers Dieu, toutes les branches Altidor, toutes les branches Parmelus, nous la gueule tout nan mon cher Seigneur. Et nous mandons faire grâce parce que l'Éternel nous rend compte, cher Père, c'est celle ou même bagen l'autre encore l'Éternel. Que nous continuons béni, cher Seigneur. Merci, cher Père. Gloire à toi, béni soit ton nom. Frères et sœurs, dans la dernière étude nous avons fait, fois dernière, nous avons eu une chance pour nous faire, côté que l'Éternel dit, il n'est que touché la terre tremblait, et tout habitant sur la terre, il y en a derrière. Et nous disons, il est monté, il fait la terre tout entière comme monter comme fleuve, et ça peut arriver, elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte, comme si Jean fleuve l'a desséché, parce qu'on a le verbe s'affaisser, qui signifie diminuer au fur et à mesure. Donc, l'Éternel fait ça. Au verset 6, frères et sœurs, Paul l'a dit, il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Frères et sœurs, tout bagay qui gen, pas oublier non toujours d'où ça, et non quoi que vous compte ça tout, tout bagay qui sous la terre, gon seul auteur, gon seul monde qui fait tout bagay qui la et sous la terre, c'est Dieu et Dieu seul. C'est lui l'architecte, c'est lui qui agence tout bagay, prend toute mesure et dit fa faire Jean pour le faire. Donc on a passé nous garder ouais une architecture. Une série de belles architectures n'a pas gardé à travers le monde et surtout dans les grands pays son bagage extraordinaire. Moi
moi-même personnellement, les m'a regardé, m'a contemplé et leur prend leur et Dubaï ou a regardé au moins de comment mon yo fait réfléchir pour l'esprit au seul tellement gain l'esprit créatif pour faire ça. En même bon, sou ta gade le ciel, la terre ou dans un sac la dan, ou apwe l'esprit créatif là, li sorti depuis un créateur là, l'Éternel. Il a bâti sa demeure dans les cieux et donné et fondé sa voûte sur la terre. Ça veut dire que entre côté ciel là situé, à vous permettre moi dire ça, et la terre, il considère ça comme une voûte. Un gros vide. Eh bien, Yodou, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. Donc, l'Éternel fait appel à l'eau de la mer, hein, répand dans toute la terre, et c'est lui-même qui peut alimenter le monde pour aider le monde, etc. Même si, des fois, il m'a déchaîné. Bon, c'est normal parce que depuis notre fin péché dans le jardin d'Éden, donc tout ça, bon Dieu était fait pour notre bien. Tout vient tourner mal sous nous, des fois. Il est vrai, c'est pas tout le temps tourner mal, mais nous devons admettre, des fois, il tourne mal contre nous pour faire des ravages extraordinaires. Alors, il y a du monde qui fait bagaille ça, qui fait ciel, yo, hein, qui fait côté le fait kailia, monde qui fait terre, monde qui rele de l'eau, yo, il appelle les eaux de la mer, hein, et les répand à la surface de la terre, c'est l'Éternel qui est son nom. C'est là, texte là, comme ça. C'est l'Éternel qui fait tout bagay sa yo, frères et sœurs. C'est l'Éternel qui fait tout bagay sa yo. Expérience que même nous-mêmes nous fait, en tant que, monde qui compte des bagay à l'école, non pas petit, non pas, non gros, monde qui compte des bagay à l'école, les n'a pas gardé pour nous, développement scientifique, on série de chercheurs, qui pa chanm dormi, kap chache, yo nan tout gwot, yo tout kote, nan tout montay, yo nan désert, yo nan tout kote yap fè de recherche. Alors, des fois gen de découvertes moun nan fè, ouè sa se extraordinaire. Pourtant, c'est seulement l'Éternel qui mette l'esprit nan moun nan pou l'fè sa. Pou l'fè de recherche. Mais en réalité, c'est pas moun kap fè la qui gen rien. Qui puis bon dans lui-même frères et sœurs. Gros toi c'est l'Éternel et ça fait là et appellerait moi-même avant à l'obéissance à sa parole. En le verset 7 là, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants d'Éthiopie, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir d'Israël et Israël du pays d'Égypte? Comme les Philistins de Captor et les Assyriens de Kir. L'Éternel a parlé avec Israël. Il a sensibilisé Israël, si vous permettez-moi de dire ça. Sensibiliser, c'est dans le sens que la paix Israël connaît. J'en y a, chaque fête dans la ville, l'histoire, c'est bon bagaille, vini au hasard. Son bagaille qui est bien planifié, bien agencé, par Dieu le Créateur. Là, l'Éternel dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants d'Éthiopie, des Éthiopiens, enfants d'Israël? Est-ce que pas pour moi même Jean et l'autre monde et les enfants d'Éthiopie? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte? C'est pas moi même qui t'ai fait ça. C'est pas moi même qui t'ai fait nous sortir en esclavage en Égypte. Comme les Philistins de Captor, et les Syriens, l'Éternel veut montrer tout ça qui a passé, les gens contrôlent, c'est lui-même qui fait. Yo. Et ça fait, frères et sœurs, n'a pas de bagay extraordinaire. Là où il y a un problème, où tu mets ta soi-disant ou pas servir bon Dieu, dans la situation où il y a un problème, souris l'Éternel a fait intervention. Moyennant d'elle faire intervention ou respecter intervention parce que ordinairement moun k ap rele pou faire intervention faut que moun nan fait intervention avec yon vœu comme si moun nan trouvé la difficulté li di que si l'Éternel
fait tel bagay pour lui, les mêmes mais qui considération mais qui sale pour le faire envers l'Éternel ça qui fait tel bagay pour lui. Alors frères et sœurs, c'est ça parce que nous même cap dou ça nous connaît des gens qui pas t'a servi bon Dieu les fini et yo té non situation difficile et yo font prière. Yo pas font prière comme si on prier avec une confirmation tant que j'en nous même nous ka fait là mais yo font prière côté que prière yo fait pour yo demander si chef là t'a fait intervention dans la vie yo mais qui ça yo pral faire. Alors l'Éternel montre que c'est lui même qui t'a al retiré Israël en esclavage, c'est lui même qui agit bien avec Philistins comme envers les Syriens, hein, ça qu'a fait yo, il gagne contrôle tout ça qu'a fait yo. Voici verset 8, les Syriens, l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Frères et sœurs, les noms messieurs qu'a dirigé yo, il a posé mauvaise action, il a fait une série de bagay drôles. L'Éternel ouais oui. N'a pas gardé en Haïti là comment gouvernement a agi mal. Gouvernement yo, m'a pas dit gouvernement non, m'a dit gouvernement yo comment il a agi mal frères et sœurs. Mais l'Éternel gagne contrôle, l'Éternel ouais tout bas. Ou tendez ça ou dit là dans verset 8 là. M'ta même non garder avec frères et sœurs. Garder avec ça dit là dans Amos chapitre là. Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Donc royaume qui a fonctionné mal yo. Qui a posé mauvaise action yo. Là yo gagne pouvoir dans main yo. Comme si bon Dieu pas gagne importance. Là yo gagne pouvoir dans main yo. Moun ki te baye au pouvoir, moun ki t'a le voté, regardez pour fatra yo. Ah mais l'Éternel dit là, nan parole là, zyeul sou tout royaume coupable yo. Je le détruirai de dessus la face de la terre. L'Éternel dit royaume coupable yo l'a détruit yo, hein? Comme li mette le au singulier là, nous même nous choisi mette le pluriel parce que gon paquet royaume, gon paquet gouvernement k'ap dominer sur la terre, mais k'ap dominer loin de la face de Dieu. M'ap dou ça avec certitude, gon le ap chercher yo pa pwè yo parce que te gen te existe avant yo, koun ya la yo pa wè yo parce que surtout lo loin l'Éternel a pa caché de dou et l'Éternel disparaît tout plus facile et plus rapide encore à la surface de la terre. Donc frères et sœurs, l'Éternel dit là dans parole là et non pas pressé, non ta vle ou comprendre bien, je le détruirai de dessus la face de la terre. Qui est ça toi? Le royaume coupable. Ça veut dire moun kap dirige, kap fait abus, kap fonctionner loin de la face de Dieu, kap maltraiter la population. Bon, c'est Dieu qui crée l'homme, frères et sœurs, on comprend bien. C'est Dieu qui crée l'homme, c'est Dieu qui crée tout bagaille, il est fini. Pour l'autre comprendre que c'est lui-même qui tout puissant, kap domine, kap maltraiter, kap touiller, briser. Mais faut connaître que, et Paul l'a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, on pourra le tomber en bas maintenant. Oui. On va le tomber. Malheureusement, les mouns nan pouvoir comme ça, yo aveugle, yo pas rendre compte que gon force qui plus gros que force yo. Au contraire, yo tellement pas rendre compte ça, y a chargé ti force piti en bas pour courir yo. Normalement, ti force piti en bas yo, exigence yo fait yo. C'est très important ça n'a dit là, exigence yo fait yo, yo senti le plus facile au lieu que pour ta obéir à l'Éternel. Parole là frères et sœurs dit que de bon mon on pas agir mal en royaume. Bon s'il dit en royaume, pas besoin dit bon monde, pas besoin dit pour un grain soldat, non pas besoin dit pour un corps armé, non pas son royaume il est là. Le, généralement l'expression royaume là et c'est un gouvernement solide où il a parlé. Non même on connaît dans l'époque nous yo et surtout utiliser la république et généralement type de gouvernement ça yo, ce sont des gouvernements qui sont limités. Mais là on parle de un royaume, c'est un absolutisme, un gouvernement absolu, un gouvernement tout puissant
côté que mon nak la dedans elle fait ça l'idée le dit le fait l'écraser le briser pas grand monde qui a dit rien ouand d'ailleurs ce sont des dynasties de gouvernement côté que mon nan li aller l'elle fin l'elle pour aller li mettre petite li sous pouvoir même les petites là ta gon l'âge inférieur super inférieur yo plutôt qui ton jeune qui pour gérer jusqu'à ce que si mon nan gen l'âge pour baler pouvoir alors parler les non parler de jeune là son jeune gouvernemental avait dit on prend des hommes qui a fait confiance les venir dit bon non quitter pouvoir nan men jusqu'à nouvel ordre parce que même dans la Bible donc on est ça arrivé te gen un roi qui te mouri qui te gon petite li et à 7 ans yo serré ti moun nan et yo serré li nan rak bras pour moun pa pour ennemi pa tuer les venir à 7 ans yo mette misé comme moi le roi Ozias c'est ça et c'est Ozias ou Josias je ne me rappelle pas le nom et c'est dans deux noms ça yo roi Ozias si me pas trompé laisse ça monsieur devine roi à 7 ans ça veut dire l'on a dynastie l'on a gouvernement dictatorial yo c'est comme ça ça est l'on a royaume yo surtout de me répéter comme ça l'on a royaume yo c'est comme ça ça est c'est que gouvernement yo c'est son série de gouvernement c'est pas bagaille moun ka décider j'en voulais ah mais là encore oui Dieu l'Éternel dit je le détruirai de dessus la terre et la face de la terre pour qui ça parce que il a fait bagaille qui pas aller dans volonté bon Dieu qui pas aller dans direction bon Dieu toutefois je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob dit l'Éternel frères et sœurs côté oyé là c'est exactement en Israël yoyé d'ailleurs c'est Amos qui a parlé là c'est l'Éternel qui a utilisé bouche li pour parler ah mais gon parole li dit là et c'est pas première fois n'attend des paroles ça l'Éternel dit toutefois je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob dit l'Éternel frères et sœurs souvent les n'a discuté thème ça yo toujours gen monde qui a posé nous des questions yo toujours dit mais si l'Éternel a détruit il dit pas détruit tout ah mais l'Éternel et comme je t'ai dit l'Éternel pour aller comme ça, il choisit quelques grains de monde, il dit pas détruire. Non, c'est pas comme ça. L'Éternel pour aller tenir compte de comportement monde, de cœur, les gens la fonctionner. Vous comprenez? Des gens la fonctionner, les fini pour l'Éternel décider, ça l'a décidé. Frère, c'est important ça, Mabdoulala. L'Éternel a payé sur comment monde a fonctionné pour le décider, ça l'a gagné pour le décider. L'a détruit et ça fait m'vlo qu'on est l'autant de l'Éternel a détruit autant de même moun ça l'a pas détruit et pas parce que moun nan bon non moun a fait effort non vlo qu'on ça parce que si l'Éternel t'a tenu compte de effort ou comme si c'est bon pour nous ta bon en vérité m'pa cacher de ou et ben nous youn nan nous même pas t'a gen chance pour nous sortir en bas châtiment l'Éternel mais comme l'Éternel c'est depuis le roi fait effort ou vle font ti pas ou vle font effort même l'effort minime li même li encourager ou la donne frères et sœurs alors c'est ça là il dit l'Éternel dit dans verset 8 là c'est ça important frères et sœurs pour nous prêter attention toutefois je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob dit l'Éternel j'avais dit moi pas détruire tout le monde non il raison l'Éternel pas détruire tout le monde a gagne ti graine cap servi bon Dieu a bien ti grain qui pourrait être dans pied bon Dieu même en situation d'Haïti et la frères et sœurs bien ti grain qui est dans pied l'Éternel bien ti grain qui fixe zéro sur l'Éternel bien ti grain qui a des avantages yo pas profiter des avantages là parce que yo c'est chrétien frères et sœurs c'est là où nous voulons venir avant yo pas profiter des avantages là parce que yo c'est chrétien frères et sœurs nous voulons connaître ça hein nous voulons connaître ça le chrétien ouais le chrétien est pas gagne avantage pour la chercher le fini pendant avantage la chercher à les opposer à l'évangile de Jésus-Christ là donc nous voulons comme ça frères et sœurs parce que ça nous comprendre non comprendre kounia là non comprendre ba la anti en drôle non ba la anti en drôle les monde n'a chercher avantage il pas qu'on a fait l'évangile de Jésus-Christ là au contraire si on parler avec elle
C'est très important. Soit parler avec la, on dit, bon, on connaît ces chrétiens, la demande aussi chrétien, c'est roche pour le manger. Avec des, mon nom domaine qu'il pas comprendre vrai. Il dit, l'abservi bon Dieu, il pas comprendre vrai. Ah, mais bon, Paul l'a dit là, que l'éternel, a protégé ça pour le protéger. Car voici, je donnerai des ordres et je secourerai la maison d'Israël par toutes les nations, parmi toutes les nations. Donc l'Éternel a passé l'ordre, mais tout côté Israël trouvé, l'Éternel dit l'a secouru comme on secoue. Alors, c'est verbe secouer, c'est pas verbe secourir, non? Verbe secouer, je voulais expliquer non bien. Verbe secouer, ça veut dire c'est même qu'on a secoué un pied bois, on a retiré toute sale là-dedans. L'Éternel a mangé Israël, c'est ça, verset 9 là, dit, car voici, je donnerai des ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crib, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Donc l'Éternel dit l'a secoué yo, mais là ça veut dire c'est pas yo l'a retiré, s'il douce dans crib l'a météo. Généralement monsieur qui travaille dans maçon yo comme ça l'a gen crib dans mon l'a pas son sable et sable là c'est ti grain fin yo so besoin pas son va laier tem par exemple laier non c'est fatra yo qui a sorti dans laier a pour tomber les fini toute grain duri yo parce que moi m'étais qu'on fait ça bien dès qu'on papa et qu'on a pris les petits vin pour prendre soin cochon engraisser cochon là moi m'con laier m'con tout bagaille ça yo là comme ça gen façon pour laier là pour c'est pas là qui aller pour grain arrêter mais l'Éternel dit c'est ça l'a fait tellement Israël gen pile bagaille drôle il a fait. Et l'Éternel dit, il pral secoué yo. Il pral secoué yo, hein, pour le retirer bon grain, pour le retirer paille yo. Ça pral mourir yo, c'est paille yo. C'est comme si nous t'a dit, événement qui a passé en Haïti yo là, c'est paille yo. Mais paille yo, c'est sur le plan spirituel, pour comprendre, oui. C'est pas parce que moun nan gen connaissance, li gen l'argent pour dire le papa, non. C'est sur le plan spirituel. Aïe, moun a tellement coué dans la démagogie, dans Tintin, dans vieux bout de mai, dans vieux bout de roche. Et moun a tellement coué dans même vieux couleuvre. Pourtant, moun a caressé couleuvre, beau couleuvre, hein. Comme Dieu pour vous servir, en mes frères et sœurs, là, dans la situation, ça, yo, laisse à qu'on y a là, ou dans la situation pour bon Dieu secouer, pour bon Dieu faner, pour le retirer toute vie, pas là, parce que c'est pas, ou y'a qu'il faut qu'on aille à ça. Frères et sœurs, les arrivés sur nous, on est obligé de camper là. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, était à vos frères, pour les deux comprendre, sœurs, pour les deux comprendre parole là. Que bon Dieu bénisse. Non, pas même bien temps pour nos bons numéros de téléphone, yo.